le risque, c'est d'inhaler des fibres d'amiante, d'avoir un cancer et de mourir de ça. Les personnes doivent absolument travailler en sécurité. Ce qu'on va faire ici, c'est poser les pompes qui vont nous permettre de capter les fibres d'amiante et faire une analyse pour calculer l'exposition professionnelle aux fibres d'amiante. Et là, c'est bon. Avec les objectifs de l'Europe contre le changement climatique, 35 millions de bâtiments devraient être rénovés d'ici 2030, risquant d'exposer de nombreux travailleurs à l'amiante. Comment renforcer la lutte contre ce matériau toxique qui reste présent dans de nombreux bâtiments? Pour renforcer la protection des travailleurs, la Commission européenne propose de réduire la limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante de 10 fois sa valeur actuelle. Cette valeur est déjà mise en place en France et je suis ici en région toulousaine pour rencontrer des professionnels de ce secteur. Au nord de Toulouse, sur ce chantier de désamiantage, Emmanuel, responsable de la décontamination, nous explique les nombreux moyens de sécurité mis en place. Pour les travailleurs, ce sont des équipements de protection individuelle et des appareils de protection respiratoire. Cela dépend du niveau d'empoussièrement et de l'analyse des risques du chantier. Ensuite, une unité mobile de décontamination, des clôtures de chantier, un affichage, une signalisation, une zone déchets. La France dispose d'un cadre réglementaire très strict sur les moyens à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs et de l'environnement sur ces chantiers. Des mesures d'empoussièrement sont systématiquement effectuées. Donc il y a des pompes environnementales comme ceci, et il y a également des pompes sur opérateurs pour contrôler le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle. Inhalées, les fibres d'amiante peuvent provoquer des maladies graves comme le cancer des poumons, qui se déclare en moyenne 30 ans après l'exposition. Malgré les incertitudes, Florian se sent protégé. Moi, j'ai aucune crainte pour mon métier parce qu'on est très très bien encadré et surtout on est les premiers à être au courant de où il va y avoir de l'amiante par rapport aux autres corps de métier sur un chantier, on va dire, classique et traditionnel. En Europe, 4 à 7 millions de travailleurs pourraient être actuellement exposés à l'amiante. 97% d'entre eux travaillent dans le bâtiment et 2% dans la gestion des déchets. Alors, que propose la Commission européenne pour protéger ses travailleurs? Voici notre cours accéléré. L'amiante est interdit dans l'Union européenne depuis 2005. Mais il continue de faire des victimes. D'après les estimations, 78% des cancers professionnels sont liés à ce matériau. 70 000 personnes sont décédées d'une exposition à ces fibres en 2019. L'amiante est encore très répandue dans les habitations et les immeubles de bureaux en Europe. Les principaux risques sont présents quand on intervient sur des matériaux qui en contiennent lors de travaux de rénovation. La Commission européenne propose donc dans l'ensemble de l'Union de réduire la limite d'exposition à l'amiante sur le lieu de travail à une valeur 10 fois inférieure à la valeur actuelle. Elle passerait ainsi de 0,1 à 0,01 fibres par centimètre cube. La Commission entend aussi soutenir les victimes de l'amiante, protéger les travailleurs sur les chantiers de construction et veiller à ce que ce matériau soit éliminé en toute sécurité. Direction le sud de Toulouse. Dans cette société de gestion des risques professionnels, je rejoins Olivier, son directeur, au centre de formation amiante. Ici, on apprend à manipuler les nombreux équipements de protection et de décontamination. L'entreprise analyse également les prélèvements faits sur les chantiers pour vérifier le nombre de fibres d'amiante dans l'air. Ça demande beaucoup de techniques à mettre en place, du matériel très spécifique, très performant. On a 10 ans de retour d'expérience en France avec ce taux qui va passer au sein de l'Union européenne. Ça a mis du temps déjà à arriver à ce taux-là. Pour aller plus bas, ça mettra quand même un certain temps des nouvelles technologies, plus de formation, etc. pour y arriver. En France, l'amiante est responsable chaque année de 3 à 4 000 maladies liées au travail. Une formation est obligatoire pour tous les métiers du bâtiment. Pourtant, certains professionnels l'ignorent. Alors la formation est fondamentale. Sans formation, on ne peut pas se protéger de l'amiante. Ça permet de sensibiliser les travailleurs au risque. Il y a des techniques, des automatismes à avoir pour se protéger. Et ces automatismes passent par des formations qui sont récurrentes. Katia, encadrante technique amiante depuis un an, met justement à jour sa formation. Elle répète les gestes qui lui permettront de gérer les risques sur les chantiers.
Je trouve qu'on a une vraie responsabilité à mettre les personnes en sécurité par rapport à ça. Et c'est important de pouvoir mettre à disposition tout ce qui peut exister. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais de faire aussi attention à ce que ce soit respecté du coup sur le chantier. L'actualisation de la directive Amiante au travail proposée par la Commission européenne pour mieux protéger les travailleurs est accompagnée de fonds européens qui existent déjà. Mais est-ce que ces mesures sont suffisantes pour répondre à ce problème de santé publique majeur ? À Bilbao, je pose la question à William Coburn, directeur par intérim de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Aujourd'hui, nous constatons des décès liés à des expositions qui remontent aux années 80 et 90. Quand on rénove ou qu'on réalise des travaux de construction, on risque d'exposer à nouveau les travailleurs à l'amiante. Donc il nous faut les bonnes procédures. Nous avons besoin de cette législation forte qui a été proposée. Elle recommande de bonnes mesures techniques. Qu'en est-il de la proposition de la Commission européenne de baisser la limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante ? Les fibres d'amiante sont cancérogènes et il n'existe donc pas de niveau d'exposition totalement sûr. Plus on respire de fibres, plus le risque de développer une maladie augmente. En réalité, la législation oblige les employeurs à réduire le niveau d'exposition au niveau technique le plus bas possible. Donc la limite d'exposition n'est pas une limite acceptable. Il s'agit en fait d'un seuil maximum. En mettant en place une limite 10 fois plus stricte, nous devrions nous attendre à des niveaux de protection nettement plus élevés pour les travailleurs européens. Mais cela doit s'accompagner d'une sensibilisation de conseils et d'outils, mais aussi de procédures et de stratégies adéquates. De nombreux syndicats pensent que cette limite d'exposition devrait être 100 fois inférieure pour protéger efficacement les travailleurs. Il s'agit d'une question difficile que la Commission a abordée en menant des études approfondies. À un moment donné, on s'approche d'un niveau plancher. Ici à Bilbao, il se peut que nous inhalions des fibres d'amiante à une très faible concentration. Il faut donc trouver une limite réaliste. Quel serait le coût de mise en œuvre de ces mesures ? Les études montrent que ces coûts ne sont pas si élevés et qu'ils pourront être pour la plupart répercutés sur les consommateurs. Les gouvernements devront bien sûr assumer certains coûts car ils devront former les services d'inspection et mettre en place de nouveaux équipements de laboratoire pour détecter ces niveaux inférieurs. Mais tous ces coûts sont vraiment insignifiants par rapport aux économies réalisées par la société, puisque cela génère moins de pertes de productivité et des coûts inférieurs au niveau des traitements, hospitalisation et indemnisation, et peut-être plus important encore, moins de souffrance humaine. Pour que cette nouvelle limite soit obligatoire dans toute l'Europe, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne devront trouver un accord qui aidera à mieux protéger les travailleurs contre le cancer.